Bonjour, plutôt bonsoir parce que là il est 21h45. Donc on va se retrouver, j'en dis pour une nouvelle vidéo, pour un tout petit haul. Mais alors tout petit, comme ça. Pas plus grand que ça. Action, oui, je suis allée pour mon jardin aujourd'hui. Et voilà, Fifi, qui passe bien sûr carrément devant le téléphone. Donc, je vous disais, assieds-toi. J'y suis allée donc pour mon jardin et j'ai vu bon, que mon cahier de coloriage est presque fini. J'ai dit, tiens, je vais reprendre un. Et en même temps, j'ai vu qu'il y avait des crayons de couleur que bon, j'ai mis par terre, que je n'avais pas vu encore avant. Donc, j'en ai pris également. Parce que les crayons de couleur que j'ai, moi, ceux d'Action aussi, sont ceux-là. Bon, non, Fifi, s'il te plaît. Parce que là, on n'est pas sur le bureau à maman, il y a moins de place. Donc, c'est ceux-là. Vous voyez ? Et moi, je les trouve vraiment pas de bonne qualité parce que, regardez, par exemple, ce crayon, vous voyez, déjà, il ne reste presque plus rien. Je taille, ça casse. Quand je taille, ça recasse. Je ne sais pas si vous avez le même tour que moi, mais j'use mes crayons à une vitesse folle. Rien qu'en les taillant. Donc, comme j'ai vu ces nouveaux, enfin, je ne sais pas s'ils sont vraiment nouveaux, même si ça fait un petit moment, puisque bon, je ne vais presque plus dans le rayon loisir depuis un moment. Donc, je ne sais pas s'ils sont vraiment nouveaux. Peut-être que vous les avez vus avant moi. En même temps, je voulais regarder, parce que j'avais vu, bouge pas le téléphone, s'il te plaît. Je voulais regarder les feutres aquarellables. Donc, je les ai vus. Mais bon, moi, je pensais que c'était une grosse boîte comme ça, avec toutes les couleurs. Et non, c'est plusieurs paquets par tranche de couleurs. Et donc, j'ai vu le prix, c'était 3,99 €. En fin de compte, Fifi, mettre 4 €, bon, j'ai dit non, je ne sais pas les prendre. Donc, ça faisait, je crois qu'il y en a 5 ou 6 paquets différents. Donc, je ne voulais pas. Fifi, s'il te plaît. Elle est en train de frôler le téléphone, j'ai peur qu'elle le fasse tomber. Donc, du coup, je ne les ai pas pris. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je vais voir. Peut-être qu'après, ils les sortiront en grosse boîte. Ou alors, est-ce qu'ils les ont sortis déjà en gros paquet? Dites-le-moi en commentaire. Parce que je pense avoir vu des grosses boîtes dans les vidéos des filles ou dans les photos sur Facebook. Ou alors, je me trompe. J'ai mal vu. Mais bon, voir une dizaine de feutres à 3,99 € sans être vraiment sûr que ça fonctionne vraiment bien, j'ai pas voulu m'aventurer. Je suis là. J'ai pas voulu m'aventurer à les prendre. J'attends de voir un peu comment, je vous dis sur les vidéos, comment ça fonctionne. Vraiment, comment ils vont. Donc là, les crayons de couleur, c'est un peu le même système, c'est une boîte par série de couleurs. Mais bon, bien sûr, ils étaient moins chers. Donc, je vais voir également la qualité. Bon, j'ai trouvé 4 boîtes différentes, donc je pense qu'il n'y en a que 4. Donc, c'est cela. Voilà. Donc, c'est le même système, vous voyez, que pour les feutres, hein, les numéros. Donc, je ne pense pas qu'ils sont aquarellables. C'est marqué juste crayon couleur. Alors, premium qualité. Donc, ça veut dire que c'est une bonne qualité. Hein.
Couleur brillante. Bon, j'essaie de redire en français puisque c'est écrit en anglais. Pointe optimale. Couleur transfert. Bon. Bon, donc on verra. Donc là, c'est la série des verres. Voilà. Là, c'est la série des rouges et roses. Là, ce sont les bleus, les violets, et il y a des noirs dedans. Il y a même des bleus verts. Désolé, vous entendez peut-être un petit peu la télé derrière moi. Et là, c'est la série de tout ce qui est marron, jaune, orange. Voilà. Alors, par contre, la boîte est de la mauvaise qualité. J'ai déjà ouvert une boîte et déjà, elles sont dures à ouvrir. Et elles vont vite s'abîmer, je pense, parce qu'elles ne tiennent pas bien. Mais bon, on verra. Sinon, on mettra dans une trousse. Hein. Voilà, donc les crayons, les voilà. Donc, je vous montre la mine. J'essaie de vous en montrer un plus foncé, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc voilà. Pardon. Donc là, c'est des déco time. Donc ils appellent ça. Et il y en a. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je recommence parce qu'elle m'a poussé la boîte. Je vais compter devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 6, 12, 6, 18. Voilà, 18. Du coup, je compte sur mes doigts. Donc, il y en a 18 par boîte. Donc là, j'ai trouvé 4 boîtes. Je pense qu'il n'y en a que 4. Pareil, si vous les avez achetées, dites-moi en commentaire s'il n'y a que 4 boîtes ou s'il y en a d'autres. Mais moi, je n'ai trouvé que ces 4. Le rayon était rempli. J'ai donc fouillé et je n'ai trouvé que ces 4-là. Donc, je vais les essayer et je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais faire un essai peut-être maintenant, je verrai. Ensuite, j'ai juste pris des crayons gris comme ça. Là, pardon. Aujourd'hui, quand je suis allée, ils étaient en train de remettre en rayon, donc ils étaient en train de faire les rayons pour l'école. Donc, ils sont déjà en train de mettre les articles pour la rentrée des classes. Ils perdent pas de temps. Donc, j'avais vu d'abord, parce que moi, je me servais de crayon gris pour mon cartonnage, hein, pour mon carton. Il y avait les 3 crayons gris, donc HB, vous savez, les bleus qu'ils ont toujours. Donc, ceux-là, ils étaient à 1,59€, je crois, pour les 3. Et après, j'ai trouvé ceux-là, donc avec des couleurs comme ça. Ils ont une petite gomme. Et alors là, j'ai pas le prix, parce que j'avais fait 2 tickets et je ne retrouve plus mon deuxième ticket. Ça doit être 89 centimes, je crois. Et donc là, j'en ai quand même... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ben j'en ai 10. Donc ça me coûte moins cher, j'en ai 10. Mais par contre, je ne vous ai pas dit le prix des crayons de couleur. Alors, les crayons de couleur, la boîte, c'est 2,24€ pour une boîte. Et du coup, ben, j'ai repris, comme je vous disais, un... Oui, bonjour, passe. Non, bouge. Voilà, j'ai repris un coloriage zen. Voilà, donc j'ai pris celui-là. Il n'y avait que deux modèles. Donc moi j'ai pris celui-là. Donc il y a le dessin derrière. Je vous le montre.
Voilà. Je pense qu'ils sont pas, ils sont pas tous derrière. Là, j'aime bien aussi celui-là. Mais bon, il y en a beaucoup plus, hein. Voilà. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de dessins. Donc, je ne sais pas combien il y a de pages, ce qu'il marque. Non, ce n'est pas marqué. Ah si, il y en a 160. Donc, il y a 160 dessins, dont celui-là. Et c'est pareil, du coup, c'est mon deuxième ticket. Et donc, ça, je crois que c'est moins de 2 euros. Ça va être 1,89 euros ou 1,90 euros, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc, j'aime bien. Il y a des jolis dessins. Regardez là, le scarabée. Il est joli. Voilà. Donc, je vais faire un petit essai avec un crayon sur un des dessins. Juste comme ça pour voir ce que ça donne. Alors, n'importe lequel. Hein, c'est juste pour faire un petit essai. Une chouette là, je prends la chouette. Je vais vous dire ce que j'en pense. On a un orange. Je vous montre le dessin après. Je vais juste essayer. Bon, déjà, le crayon a l'air bien gras, donc c'est bien. Il glisse bien. Désolé, là vous le voyez pas, mais je vous montre le résultat tout de suite. Hein. Mais ça a l'air d'aller. On voit pas les traces de crayon, donc. Je vais prendre un autre crayon pour passer au-dessus, pour faire un ombrage, pour voir ce que ça donne. Je vais les prendre plus foncé, attendez. Ça va. Ils ont l'air bien. Maintenant, après, il faudra que je vois aussi au moment de les tailler. Parce que c'est surtout là le problème. Et là, mon taille crayon est en haut, donc. Ah, c'est... Ça brille un peu, donc voilà. J'ai juste fait un tout petit bout. Hein. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Je vous mets très près pour que vous voyez. Voilà ce que ça donne avec les crayons. Non, mais ça a l'air de. Ils ont l'air bien au début. Je dirais la boîte en bois me plaisait aussi au début. Hein. Et puis quand il a fallu commencer à les tailler, c'est là que c'est parti en vrille, que ça n'allait plus. Bon, du coup, je finirai la chouette la prochaine fois. Je pense que c'est plutôt un hibou, parce qu'il a les plumes au-dessus des yeux. Regardez, vous voyez comme ça. Ce serait plutôt un hibou. Donc je ferai celui-là la prochaine fois. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris à action du voile du voile pour mettre dans mon chemin dans mon allée de jardin. Parce que là, j'ai déjà désherbé au vinaigre. Donc j'ai fait ça au vinaigre, au sel.
Aujourd'hui, puisque là on vient d'avoir un gros orage, ce midi j'ai vite passé le coupe-bordure pour couper tout ce qui avait brûlé avec le vinaigre. Et j'avais déjà de la toile pour mettre sur mon chemin, mais j'en aurais pas eu assez, donc j'étais en recherche. C'est pour ça que je suis allée à l'action. Donc j'avais pris ça. Puis j'ai pris quoi? Les papillons, je ne sais pas si vous les avez déjà vus, ils sont dans le rayon jardin aussi. C'est des papillons en forme en tôle, en ayant couleur pour mettre, pour décorer sur les murs à l'extérieur. J'ai pris ça, et puis des pochettes de classeurs transparentes. Mais ça, c'est pour moi ranger mes fiches de menu pour mon régime. Je les mets toutes dans un classeur et comme ça je les range dans mes pochettes. Et comme ça j'ai toujours mes menus depuis la première semaine, je les ai toujours avec moi. Et comme ça elles sont rangées. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté aujourd'hui à Action. De toute façon, voilà, au loisir j'ai quand même jeté un œil, hein, mais c'est toujours la même chose. Il se renouvelle pas, il n'y a pas grande nouveauté. J'ai vu qu'il y avait des feutres, des fins, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Ils sont vendus par 3. Ils étaient avec les gros feutres alcool. Et il y avait ces fameux feutres aquarellables. Mais bon. J'attends de voir ce que celles qui les ont achetés, ce qu'elles en pensent. Avant de les acheter. Non, j'achète plus à Action les yeux fermés. Non, je veux avoir les avis avant et puis voir si vraiment moi j'en ai vraiment besoin. Voilà. Et j'ai changé. Maintenant, je me pose la question de savoir si j'en ai besoin, si c'est pour une fois ou si vraiment je vais m'en servir vraiment. Régulièrement ou pas, parce que sinon ça sert à rien de les acheter, parce que là je vous dis ils sont à 3,99€, donc si j'achète toute la palette, je pense que je vous dis il y en a 6, donc 6 ça fait bon 4, 8, 8, 16, 20, ça fait quand même 24€ pour avoir tous les feutres. Non, c'est pour les laisser là dans un coin, c'est pas la peine. Oui, mais. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du soir, juste pour vous montrer ça. En ce moment, je vous fais des petites vidéos, mais au moins comme ça, vous n'êtes pas sans vidéo. Demain, je réattaque je continue la commode, parce que bon, j'ai reçu le tissu. Je vais la continuer demain après-midi, parce que demain matin, on a le contrôle technique de la voiture. Donc, je ferai ça demain après-midi. Donc, vous aurez une vidéo, je montrerai la vidéo demain soir. Donc, vous aurez normalement une vidéo jeudi pour la commode. Bon, elle ne sera pas terminée, hein, je ne pense pas, je verrai. Mais vous aurez tout au moins une vidéo sur la commode jeudi. Voilà. Et puis, sinon, voilà. Il y a les autres vidéos que je vais vous filmer aussi, hein, celles que je vous ai déjà promis. Hein, Fifi, on va faire des vidéos ? Oh oui, on va faire des vidéos. Puis là, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps parce que. Ce matin, j'ai fait le jardin parce qu'à cause du temps qui se préparait. Et puis, j'ai eu dentiste cet après-midi. Donc, comme moi, avec le dentiste, j'ai toujours peur d'avoir mal quand je sors de là. Donc, j'ai rien fait. L'heure tourne, je commence à être fatiguée. Donc, je vais me rattraper demain. Voilà. Bon, ben, c'était ma petite vidéo du jour. La fille, tu dis au revoir. Bon. Et tu regardes.
Fifi, elle a eu peur de l'orage. Pacha, alors lui, il a eu super peur. Un Pacha. Il fait dodo maintenant. Pacha. Il s'est endormi. Il bougeait le téléphone. Dis avec maman. Attends. Non, j'arrive pas. Il s'est réveillé. Je vais essayer de le prendre avec moi pour que vous le voyez. Et maman. Il est avec sa maman. Oh. Il a grandi hein, maintenant. Il a grandi, mon pépère. Et le voilà. Le voilà, le bébé. Le gros bébé maintenant. Hein? Il a 5 mois demain, mon pépère. Monsieur maman, oh. Attends Fifi, oh on voit plus Pacha Fifi, le poupou sur ton petit cucu, voilà, hop là, regarde. Bonjour les copines à maman, oui il est fatigué, il a eu peur de l'orage tout à l'heure, hein, t'as eu peur de l'orage, oh il fait des bisous à sa maman. Voilà, comme ça vous avez vu Pacha. Hein? Mais maintenant, il fait son poids. Oui. Allez, je vais le remettre dans le fauteuil. Hop, je ne peux plus me lever. Bon, attends, mais c'est pas papa. Voilà, comme ça, c'était l'occasion pour vous de le voir. Non, là, tu peux pas. Pacha. Non. Tu peux pas aller. Il veut aller sur l'arbre à chat, manger la gamelle, Fifi. Nana. Mais alors, c'est une pièce. Il n'arrête pas une minute. Il est monté sur ressort, ce chien. Il a des piles de racelle sur lui, dans le dos. C'est pas possible. Il est jamais fatigué. Mais bon, comme je vous dis, il a 5 mois demain. C'est encore jeune. Il est fatigué, là, ça y est. Il a tellement eu peur tout à l'heure de l'orage. Tout à l'heure, parce que quand on va dans la cour, il nous suit à chaque fois. Et là, tout à l'heure, je suis allée dans la cour pour protéger le maximum de choses dans la cour, puisqu'ils nous ont annoncé une tempête incroyable. Donc j'étais protégée ce qui pouvait s'envoler. Donc il m'a suivi. Mais d'un seul coup, ça fait boum dehors avec l'orage. Il a foncé, mais la porte était ferme. La porte de la cuisine était juste collée, pas enclenchée, mais juste collée. Il s'est pris la porte en plein nez. Tellement il a eu peur. Le pauvre. Heureusement, il ne s'est pas fait mal, je vous rassure. Mais à la vitesse où il est reparti dans la maison, tellement il avait eu peur. Mais il ne connaît pas les orages encore. Il ne sait pas ce que c'est. Et là, il fait dodo. On ne va pas faire de bruit. Bon, allez. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis, il y aura une vidéo jeudi pour la commode. Et les autres vidéos vont arriver aussi. Allez, plein de bisous. Désolée si j'ai pas parlé très fort aujourd'hui sur la vidéo. Mais chouchou fait dodo en haut. Oui, à cette heure-ci, il dort. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, à bientôt. Bisous.